Yo les jeunes, c'est Ipex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo découverte sur The Ascent, un action RPG dans un univers cyberpunk jouable en solo comme en coop jusqu'à 4 joueurs. Il est développé par Neon Giant et édité par Curve Digital et il est disponible sur PC et Xbox. Et je vais pas passer par 4 chemins, pour moi ce jeu est un gros coup de cœur même s'il n'est pas exempt de petits défauts, mais quand on sait que The Ascent est développé par 12 personnes, on relativise et on se dit qu'ils ont fait un boulot de dingue. En gros, si vous aimez l'ambiance cyberpunk, vous allez adorer ce jeu. Alors dans The Ascent, vous incarnez un perma, ou plutôt un esclave qui pensait trouver le bonheur en venant sur Vélès, mais ce sera tout le contraire. Vélès est la cité dans laquelle vous allez vaquer à vos occupations, c'est-à-dire buter des mobs, admirer chaque détail de cette cité et rebuter des mobs. Vous allez travailler pour pouvoir gagner votre liberté, mais vous allez vite apprendre que rien ne va plus depuis la chute de la plus grande corporation de Vélès, j'ai nommé The Ascent. Vous commencerez donc par créer votre personnage que vous pourrez améliorer par la suite en lui attribuant des compétences, augmentations et équipements, mais vous devrez d'abord faire vos preuves. Donc voilà, je voulais partager un peu de gameplay de The Ascent avec vous pour vous faire découvrir ce jeu. Je sais que c'est pas le type de jeu que j'ai l'habitude de présenter sur la chaîne, mais comme je vous l'ai dit, il va y avoir du changement sur la chaîne, du nouveau, et ces vidéos découvertes en font partie. Je vous propose donc de regarder une mission que j'ai jouée en coopération avec Wolf. Elle se situe un peu plus loin que le début du jeu, donc il y aura un peu de spoil, mais rien de méchant. Je trouve juste qu'elle représente bien à elle seule le jeu, et surtout de quoi est capable The Ascent. Je vous laisse regarder ça. Bon visionnage. J'adore la cinématique où t'as bien ton perso, la bonne couleur, la bonne tenue. Ouais, ça déchire. Voici le Dream War. Une sacrée boîte. Hein. DJ Blood. Ouais, mais c'est ça, c'est qu'ils te mettent du détail partout, quoi. C'est... Mm. Someone just came in, matched the description. Yeah, I'll handle it. Everyone, your attention, please. Onyx White will pay a considerable sum for the head of the individual who just entered. No need for it to be attached. Et si on est 15 à entrer. Come see me when you're ready to collect. Mais le son, DJ Blood. Bon bah. Ça va péter quoi. Parti. Non, sont où les mecs qu'on peut tuer là? Ils sont. Ah, bon, désolé. Hein. Viens là, toi, la prime. J'entends même pas les coups de feu tellement il y a de la musique. Il y a trop de civils, désolé. Allez, en bas, la prime, il y en a une en bas. Il y en a une nouvelle. Ouais. Je suis en train de m'occuper d'un gros là. J'entends même pas les coups de feu, Wolf. Et c'est ça, il y a tellement de trucs en même temps que... Il fait chier, lui, là. Putain. Par contre, il y a un truc qui est chiant, c'est quand le mec, il est juste, ne serait-ce qu'un niveau d'escalier plus bas, tu peux pas le toucher. Ouais. C'est où, toi? Ok, t'es là. Ça fait pas plus de dégâts, ça? Non. Oh là là, t'as fait un carnage. Il y a encore des danseurs sur la piste. Oh ah bah, yeah. Ils sont défoncés. Les hologrammes femelles. Bah dis donc, madame. Calmez-vous. Ah oui, ils sont vraiment défoncés, par contre. Pas pris mission secondaire. Ouais, j'en ai pas encore là, ouais. Parce que j'en aurai après, mais là j'en ai pas. Ah, parce que moi j'en avais deux ici. Quand je suis arrivé, j'étais obligé d'attendre cette mission là pour pouvoir rentrer. Ah ouais? Ouais. T'en as une où tu livres de la drogue, si je dis pas de conneries, et une autre pour livrer une valise. Non, là j'en ai pas. Allez, go. Kira here. So much for keeping a low profile. We have tagged the target as the shipping master. Updated location sent. Go fetch. Intact, mind you. Il faut le ramener intact, elle a dit Kira. Et je crois.
Alors par là. Écoute, pour l'instant, je peux pas y aller. Allez, bon bah, vas-y, je te suis. Ouais, j'ai pas encore le. L'indication, mais. On va voir par là. Bonjour tout le monde, on vous dérange pas. J'espère en tout cas. Ok, ici, beau. T'as tellement envie d'aller partout. Oula! Les petits Yoda, ils faisaient un. Un petit bain, moi j'étais habillé par contre. Il y a une caisse au fond. Merde. Bien vu. Aussi, je peux en profiter. Salut, toi. Il est trop lui. Mets bien ici là. Oui, l'hologramme d'une arme. Moi, je sais pas, je regardais justement. Quoi, c'est des vestiaires là ou quoi? C'est un pantalon, je vois ce qu'il donne. Vous dérange pas si on ouvre vos vestiaires. J'ai pas l'air de les déranger. En même temps, quand un mec armé te demande si ça te dérange, généralement tu réponds non. Faut que j'aille faire un petit pipi là. Je peux pas y aller là. Tu vois là tous les reflets qu'il y aurait. Ouais. Que ce soit sur les portes du miroir. Nous embêter. C'est marrant, Kira, me dites pas de leur tirer dessus, mais. Je peux pas quoi. C'est eux qui commencent. Moi je veux bien. Allez, il y a une énorme la zone là. Je pense que j'ai ramassé des trucs, ouais, je regarde là. J'ai ramassé des équipements peut-être un peu plus intéressants que ce que j'ai là. Enfin, ce que j'avais en tout cas. Merde, il se barre. Vite, un vaisseau Wolf. Vaisseau complété par OV, faisait route vers les docks. Quand on a perdu sa trace. Prends-toi sur place pendant qu'on essaie. Oh là. Pas trop vite des fois. Ok, faut aller au métro. Merde, je crois que j'ai soufflé des civils également. On peut pas voler un vaisseau là? Non, celui-là il a l'air pas mal. Ah ouais.
Il y a pas mal d'avoir de la place pour deux là-dedans. Une petite inspiration Star Wars hein, sur les vaisseaux ouais. Amiraux, là, c'est là. Exact, ouais. Bah, ceux-là aussi, hein. C'est vrai. Ouais, les toilettes. J'ai envie de faire pipi tout à l'heure. Tiens, je vais l'entrer. Putain. Nouvelle sortie. Ah, énorme, j'avais pas vu ça. T'es bon, fais gaffe, il y a certains murs qui se pètent et ça te fait une nouvelle ouverture. Cassez-vous les civils! Ok. Pardon les civils, faut se barrer là. Ah, c'est horrible la visée quand tu vis comme ça. Ouais. Ah mais la vie derrière là, quand tu regardes au fond là. Et moi je pourrais rester des heures ici à regarder. Mm. On risque de voir les mêmes vaisseaux passer et repasser, mais c'est quand même fort. Pauvre la plus chère. Une petite tourelle. Des trucs secondaires là que j'ai un peu plus loin là. Ouais. J'ai rappelé plus tard. Derrière. Ouais. Et puis oui, elles sont balées tranquilles. Ça arrive encore derrière sur le côté. Hein. Ah, elle a déjà ouvert son coffre. Okay. Oh, on est déjà passé par là, ou je suis déjà passé par là, mais. On se dépêche quoi. Ne le laisse pas s'échapper. Ah merde, c'est là-dedans.
Oh pardon. Il n'avait pas dû passer par la ligne. Wow. Bien, faut qu'on rentre là. Elle suggère un mouvement en tenaille. Bah, tenaille, je suis censé être tout seul. Hein. Allez, ferme la porte vite. Il force. Encore dedans lui. On prend un peu de soin. Hein. Mettre à fond. Coucou toi. Comme ça que tu nous accueilles? Il est où? Ah merde, il est là. Faut attendre qu'il descende ça, ok. Il est 28 avoc. Ouh putain, je suis en plein dedans. Ouh, j'ai fait cher. Non, ça va. Bon bah voilà. C'est fait. Saut propulsion. Allez, grimpe. Quoi? C'est marqué grimper sur le vaisseau tout à l'heure. Ah, c'est là. Interagir. Ah ouais. Ah, il est dans le mal lui. Il aurait pas dû faire le malin en boîte de nuit. Dans ta cinématique, qui s'est accroupi à côté de lui? Moi. Ok. Boum, balaboum. Et toi? Bah, c'était moi. Ah, ok. C'est... Ah, y'a Kira. La grosse Kira. Tu m'as pris pour qui alors? Tiens, voici les données. Énorme. J'adore. Why? What's in it for me, huh? Well, how about not spending a perceived eternity in the Null exploring all possible and probable types of pain? Bring it on, you foreign bitch! I got enough black ice in here to fry whatever you jack me into. Yes, well, we'll see about that. Another assignment completed. I admire your resourcefulness. Seems there are sapiens who deviate from the species' substandard norm. Now we should leave. About 20 Onyx Void flatliners are heading this way, stimmed up and itching to pulp us. I prefer facing them at a different time and place. We will contact you as soon as we've extracted the data we need from this... thing. Thank you.
Bon voilà les amis, cette vidéo s'arrête ici et j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez voir encore du Ziasen, je vous invite à me suivre sur Twitch, le lien est dans la description. En tout cas, comme je l'ai dit en début de vidéo, j'adore ce jeu et je voulais vraiment vous faire une vidéo découverte pour le partager avec vous. Il y en aura d'autres sur d'autres jeux, mais ne vous inquiétez pas, je ne délaisse pas les jeux comme Squad, Elite Lose ou autres. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, portez-vous bien, si elle est jeune.